Salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo balade. Voilà, nous sommes à Chalindré au niveau du motoclub. Voilà, comme je fais tous les ans. Et là, on va s'apprêter à partir. Donc les mobilettes démarrent. Voilà. Nous sommes le samedi 6 mai 2023. Voilà, toutes les meubles sont là-bas. Et j'ai déjà la carte, donc il y aura un premier lieu d'arrêt, voilà, un premier lieu de regroupement, il y aura quatre lieux de regroupement, quatre lieux d'arrêt pour se retrouver, pour éviter de la dispersion du groupe. Et le premier point, ce sera la commune de Palaisol. Allez, c'est parti, on y va. Ça va? Allez, comme ça roule. Allez, c'est parti.
Bon bah voilà, petite pause, hein, petite pause. On est au bas de l'Angre. Il y a Nathan, il y a un petit peu de retardataire, mais bon, il y a déjà quelques cyclos en panne. Moi, c'est vrai que je suis pas le plus lent. Pardon. Je suis pas le plus rapide, je dis des bêtises. Voilà, on est tous ici devant une laiterie. Voilà. Laiterie sodiale. Voilà. Voilà. Donc je vous montre un peu le tout. Voilà. Petite pause. Voilà. Je vous ferai la présentation un peu plus tard quand on sera sur la commune de Palaisol. Alors Palaisol, moi j'ai pas connu, mais à Palaisol, il y avait une course de Solex autrefois. Moi j'ai pas connu parce que c'était antérieur 2010 et à l'année 2010 j'ai commencé à faire de la compétition de Solex. Voilà. Pour ceux qui me suivent. Ouais. Tout le monde est prêt, hein? Parce qu'on va bloquer la nationale, hein, donc on traverse
Bon bah voilà les passionnés, ça y est, première pause, je me suis trompé en fait, pas les seuls, je crois que ce sera le dernier point de pause de la balade avant l'arrivée. J'ai pas lu le plan, mais en fait c'est dans l'autre sens, on est sur la commune de Mardor, voilà, petite commune de Mardor, devant la petite mairie, voilà, qui est juste là, mairie de Mardor. Donc là je vais vous montrer tous les deux roues, bon bien sûr moto, voilà, Peugeot Motobécane, New West, voilà. Bon, une moto, encore une moto, un sidecar, voilà, qui est juste là, moto, encore une moto, mais c'est pas le but. Alors, c'est une moto confort, voilà. Moto confort. Je sais pas ce que c'est, mais je suis pas expert, voilà, mais bon, je vous montre, voilà. Ah, une AV89, voilà, une Peugeot 103 SPX, ça. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une moto bécane, bleue, la fameuse bleue moto bécane, ça elle est dans son jus, hein. On voit qu'il y a des écailles de peinture, elle est d'origine, hein. Voilà. Une Peugeot 103 SP. Faire le tour. Et une moto bécane. Alors c'est une Mobeuse. Ah, ça va être aussi une moto bécane. Oui, c'est ça, une moto bécane, j'ai reconnu au bouchon. C'est vrai que le truc tout bête, hein. Moto bécane, réservoir à droite, Peugeot à gauche. Voilà. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Une Peugeot GT10, alors peut-être que c'est ça, je peux me tromper, hein, je suis pas expert mobilette. Une Fox, ouais, on reconnaît bien les Fox, un seul bras oscillant. Alors je vous renvoie à ma vidéo de la sortie de Bois Colombes de novembre. Voilà, novembre, il y avait une Peugeot Fox, mais préparée. Et il y avait un arrière, un châssis arrière de Peugeot Fox, par des mecs qui font de la prépa. Voilà, une MBK 51 super. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, ça va. Une motobécane AV888, vous me corrigerez. Ouais, c'est bien, ça rencontre tout de suite. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le modèle. C'est pas une grosse cylindrée, on voit. Ça va être du 70 peut-être, qui est juste là. Moto bécane. Ah. Peugeot 104. On reconnaît la forme du réservoir. Une moto bécane M16. Ouais, des fois, ça dure pas longtemps. Ah. MBK Club peut-être? Ah non, MBK Swing. Voilà, c'est marqué là. MBK Swing. Peugeot SPX. Peugeot 103 SP. Celle-là, elle est dans son jus. Je pense que c'est les premières Peugeot 103 SP parce qu'elle a le phare rond. J'ai déjà vu une Peugeot 103 SP plus aboutie avec un phare carré. Peugeot 104, encore une. Voilà. Il y a encore une Peugeot 104 qui est juste là. Et bien sûr, moi, vous me revez ici avec mon provisant MBK, le fou furieux à Solex, comme d'habitude. Bon, là, c'est pas tout, mais c'est l'heure du casse-croûte. Voilà, et pour ma part, ce sera Madeleine et Tropico. Allez, on va se régaler pour la première pause. J'avais pas vu, mais là aussi, il y a d'autres cyclomoteurs, là. Un Yamaha, j'en redis un Honda Amigo, mais ça, c'est très ressemblant qu'à un Yamaha. Ah, il y a même la plaque. Ah, MBK. Là, ça a été fabriqué en France, à Saint-Quentin. Peugeot 103, custom. Ah, ça va être vraiment custom là, avec des roues. Ah, mais ça où la Jerrycan de la voiture ? Peugeot 103 SP. Peugeot. Ah, dans le style café rasseur. Il y en a d'autres ici. Moto confort. Voilà. Peugeot. Moto bécane.
51V, une autre mode mécane 51V, voilà. Et puis la voiture balai avec la remorque qui est juste là. Donc voici le plan. Voilà. Donc en fait je m'étais trompé, je pensais qu'on allait partir comme ça. C'est pour ça que j'avais dit pas les ailes. Et je me suis trompé. En fait on est parti de là. Voilà, on a remonté, voilà. Châtenay-Macheron. On est revenu sur l'Angre. On est passé par Jorquenay, Hume, Jorquenay, Saint-Martin-Léon, Saint-Siergue, et puis on est là à Mador, et on va poursuivre jusqu'à Saint-Loup, vers Charmeroy, Péronnier-les-Fontaines, voilà. On va descendre, voilà. Donc deuxième halte à Leché, voilà. Leché, ah, le plan qui se barre. On va descendre à Courcelles-Val-d'Esnon. Voilà, autre arrêt à Saint-Michel, voilà. Tac, et puis hop, ensuite Chassigny, voilà. Et puis après on va remonter jusqu'à Charnac. Donc voici le plan. Bon allez, c'est parti, on va démarrer là. Tout le monde en forche, son deux roues. On va démarrer. Moi j'ai enfilé mon casque. Je vais démarrer la caméra. Hop, ça va démarrer. Hop, allez, je vais mettre mon coupe-circuit arraché. Voilà, j'attends que mon casque, au niveau de la caméra, soit bon. Et bon, allez, c'est parti. Bon bah voilà les passionnés, il est midi, c'est la pause déjeuner, voilà. Donc on va se restaurer. Là, on a fait une bonne partie, la moitié du parcours. D'ailleurs, ce qui est étonnant, je n'ai pas senti la faim, c'est que tout va bien, c'est que j'ai bien déjeuné. Donc il y a les motos, les mobilettes, il y a encore une partie des mobilettes là-bas, voilà. Nous sommes devant le clocher de la commune de Noidan-le-Rocheux, voilà, commune de Noidan-le-Rocheux. Et on est devant le restaurant Le Saint-Jacques, voilà, on va se soigner, donc tous les mobeurs sont ici, avec le motoclub de Chalandry. Allez, c'est parti, bon appétit. Bon ben voilà les passionnés, ça y est, c'est fin de la pause repas, on va pas tarder à repartir. Voilà, je suis toujours au niveau de l'église de Noidan-le-Rocheux. Donc le repas de midi c'était poulet basquez frites avec une petite tarte poire qui était sympa. Et puis en supplément, moi je me suis pris un petit cognac, voilà, pour faire passer la digestion. Voilà, donc je vais reprendre le guidon de mon Solex et puis on va continuer le circuit. Allez, c'est parti, on continue.
Bon bah voilà les passionnés, ça y est, on est sur la commune de Piedpape, toujours en Haute-Marne, voilà. Donc c'est le moment de la pause casse-croûte sur la commune de Piedpape. Donc je vais vous montrer, ça c'est la voiture balai. Et voilà tout ce qui est en panne, voilà. Tous les deux roues qui sont en panne. Voilà. Ah, ça en fait déjà pas mal là. Voilà. Et les autres, les participants, sont là pour le casse-croûte. Voilà, ils sont tous là. Voilà. Et pour ma part aussi, je vais aller prendre le casse-croûte. Je vais me régaler. Allez voir ça. Ah, le casse-croûte qui est là. On va pouvoir se régaler. Sinon, tu vas acheter un dessert, Robert. Allez, c'est la pause casse-croûte. Je mets le gâteau au noix, il est bon aussi. Oui, il est bon. Ouais. Bon, bah, c'est la fin du casse-croûte. Voilà. On va s'apprêter à repartir. Allez, c'est parti, on y va.
Voilà, ça y est, les passionnés, on est de retour au motoclub de Chanaret avec les mobilettes qui sont là. On est ici. Zéro emmerde mécanique avec mon sac, c'était nickel. Par contre, il y a des cycles moteurs dans la remorque. Bah, allez, je vais vous montrer ça. Voilà le remorque balai avec tous les cyclos qui sont dedans. 5. Ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde. Après ces aléas, hein, comme on dit, les joies du 50 cm cube, il y a toujours un truc qui va pas. Maintenant je vais conclure cette vidéo, voilà, donc c'est la fin de cette balade. En tout cas je remercie le motoclub de Chanaret, c'est toujours au top et réussi, voilà. Je remercie aussi tous les membres du motoclub de Chanaret, voilà, qui à moto nous ont guidé le chemin, au moins qu'on puisse se concentrer uniquement sur la conduite et le plaisir et la découverte des paysages, voilà. Donc je suis passé des endroits de la Haute-Marne que je ne connaissais pas. C'était vraiment bien. Mais voilà, je remercie tout le motoclub de Chaudreau, les bénévoles, les membres, voilà, donc c'est vraiment génial. Je remettrai ça l'année prochaine, ça c'est sûr. Si renouvellement, mais je pense que oui. Mais en tout cas, voilà, je voulais remercier tous les membres. Et aussi, je voulais vous remercier d'avoir suivi la vidéo. Je vous remercie aussi de votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.